Bonjour la famille, c'est avec plaisir toujours que Zala Liboso Nabino, c'est toujours Guilmas, ange de lumière et encre correcteur. Aujourd'hui, je suis venu avec un autre numéro pour toujours Matoi, les gens qui n'écoutent pas, les gens qui ont oublié les raisons, les buts et l'objectif de quitter leur pays et venir vivre ici en Occident. Ici, surtout en France, en Belgique, en Europe, là, beaucoup d'Africains sont devenus comme des clochards. Beaucoup d'Africains ne veulent pas travailler. Ils veulent s'accrocher na bandaku oyo ya ba HLM. Ils veulent s'accrocher à des maisons de logements sociaux. Logements sociaux, vous savez bien que exact limité, ça vous limite à quelque chose. Vous n'avez pas besoin de faire, vous n'avez même pas le droit de faire beaucoup d'argent. Vous êtes limité. Mais il y aura des gens qui ne sont pas normaux. Je dis toujours les gens qui ne sont pas normaux. Je bénis toujours les mamans. Je sais pourquoi vous êtes là dans des maisons, dans des logements sociaux. Je sais pourquoi vous êtes là. Mais surtout quand je m'acharne contre les papas, surtout les parents qui sont venus avec objectivité de réussir dans leur vie. Les gens qui ont galéré en Afrique, surtout Odyssey, tu as déjà passé une vie, plus de 10 ans en Afrique, tu ne peux pas échouer en Occident. Si tu as grandi en Afrique, c'est impossible d'échouer en Occident, puisqu'il y a beaucoup, il y a une facilité organisée par rapport en Afrique. Mais quand tu arrives en Occident, tu deviens le numéro 1 de chercher les maisons des HLM. Tu deviens le numéro 1 de chercher les maisons des services sociaux. Pendant que tu sais bien qu'avec les services sociaux, tu es limité. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et les maisons, même que, quand tu vois les maisons, sont des petites boîtes. Des petites boîtes. Comment un monsieur qui est intelligent, pendant que tu étais au pays, tu avais des objectifs, tu avais des visions, tu avais des rêves, tu avais des plans. Arrivé en Occident, on te met dans un système où tu n'es même pas capable de travailler pour faire d'argent. Mais tu aimes ça. Tu aimes ça. Et après, quand tu l'as, c'est toi qui réclames, c'est toi qui pleures. Et c'est toi qui es toujours le numéro un dans des bêtises, dans des choses qui n'ont pas de sens. C'est toi qui incites les gens sur les réseaux sociaux. C'est toi qui donne des leçons morales aux gens pendant que tu es même incapable de subvenir à tes propres besoins. Services sociaux, les logements sociaux, ça te freine à te développer. Imagine-toi, tout le monde qui est ici en Occident travaille minimum 40 heures par semaine. 40 heures par semaine, avec un salaire qui est moyennement vraiment bon. Mais toi, dans les HLM, toi qui es dans les logements sociaux, tu es presque privé de travailler 40 heures par semaine. Tu dois travailler certaines heures puisque tu ne veux pas être chassé dans les logements sociaux. Tu oublies que, en tout restant comme ça sans travailler, tu risques à te buter avec des arriérés, des heures pour faire comment on dit ça? Pour avoir l'état de retraite, pour être retraité, il y a les heures que tu vas remplir. Il y a nombre d'heures qu'il te faut pour aller à la retraite. Mais pendant que tu es là, tu t'assois chez toi, dans les maisons, dans les services sociaux, dans les logements sociaux, les heures que tu devais vraiment fournir à travail, tu ne fais plus, tu ne travailles pas, tu es là. Au lieu même de faire toutes choses que tu pourras faire, ça c'est, tu ne peux pas les faire, tu es limité puisque si on t'attrapait après, si on t'attrapait avec le salaire qui est plus que ce qui est prévu pour les logements sociaux, tu es banni de la maison. Quand tu ne veux pas travailler, ça t'amène dans une infirmité mentale. Quand tu ne veux pas travailler, ça t'amène dans une incapacité mentale. Pendant que d'autres personnes sont en train de travailler pour avoir les heures de retraite, toi tu es là en train de critiquer, en train de menacer les gens, de citer les gens. Tu es dans les services sociaux à cause des enfants. Le jour où les enfants auront 18 ans, on va te chasser dans la maison là. Dès que tu auras, si tu es enfant à 25 ans, après 18 ans, on va te chasser dans la maison. Tu auras 40, 45, entre 40 et 45 ans. À l'âge de 45 ans, seras-tu capable de retourner à l'école? À l'âge de 45 ans, seras-tu capable de travailler dur pour avoir les heures de retraite? Le temps où vous passez inutilement dans des maisons de HLM, dans des logements sociaux, si vous êtes intelligent, si vous écoutez le message ici, faites tout pour quitter dans ça là. Faites
Faites tout pour quitter Dassala et commencer votre vie normale par ailleurs. La vie que d'autres personnes font de 40 heures par semaine ou plus, ça les rend facile. Ils gagnent beaucoup d'argent et puis ils sont indépendants. Ils gagnent beaucoup d'argent et puis ils sont indépendants. Mais toi qui es dans les logements sociaux, tu gagnes peu d'argent et puis tu n'es même pas indépendant. Tu es dépendant, tu dépends du gouvernement. J'ai dit, c'est à toi de choisir ta vie. Est-ce que tu choisis vivre là-bas et avoir des problèmes dans les futurs? Soit tu quittes là aujourd'hui et puis tu vas travailler pour garantir ton avenir. C'est le choix. Le choix est entre tes mains. Le choix est entre tes mains. Tu écoutes les messages. Tu peux m'insulter comme tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Mais la réalité est que tu es dans les problèmes. Tu t'es bloqué. L'argent social, c'est un argent maudit. L'argent que tu touches, ça, scié, ce n'est pas l'argent qui va te garantir l'avenir. Si tu as un plan peut-être de retourner en Afrique un jour, si tu as de la chance, c'est bon. Mais aujourd'hui, là, tu as la force, tu as de la force. Tu ne sais même pas si tu vas retourner ou pas. Il est temps de réfléchir pour faire le deuxième, si tu es libre, retourner dans des visions que tu avais avant de venir en Occident. Tu devrais réussir et pas venir ici être handicapé mental. Je l'ai dit et j'ai fini. À vous de juger. C'est moi, Guilmas, toujours. Partagez la vidéo si vous l'aimez. Je suis là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres vidéos comme ça là, à la prochaine. Alors, je vous invite à vous abonner puisque je suis là pour vous. Bye.